Toutes les femmes ont été au moins une fois dans leur vie victimes de misogynie. Au travail, dans leur vie quotidienne, en famille. Regards condescendants, remarques désobligeantes, stéréotypes qui renvoient implicitement la femme à un niveau inférieur. Ce sexisme ordinaire se glisse dans toutes les couches de la société et semble avoir la vie dure. Tout de suite, le témoignage d'Amélie Cornu, 32 ans. Elle ne compte plus les commentaires misogynes qu'elle subit depuis ses années d'étudiant. Amélie, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous vous êtes dit « là, je suis en train de subir un propos sexiste » La première fois, je crois que ça m'a vraiment choquée, c'était au cours de mes études, parce que j'ai eu un parcours, j'ai suivi des études plutôt masculines, donc un diplôme d'ingénieur. Donc beaucoup de garçons. Donc essentiellement des garçons, et en fait c'était principalement de la part des professeurs qui faisaient des commentaires du type « faut pas tenir tel outil comme une lime à ongles », t'as peur de te casser un ongle, c'est sympa de voir un petit cul qui bouge le matin, enfin, voilà, différents propos qui étaient vraiment, non pas liés aux compétences, ni à l'expérience, mais qui étaient vraiment liés au fait que j'étais une fille dans une formation qui était plutôt destinée et consacrée aux garçons. Et ça pouvait être aussi pour, on devait acheter du matériel dans les magasins de bricolage, d'outillage. Généralement, évidemment, les vendeurs savaient mieux que moi ce dont j'avais besoin ou m'orientaient vers des trucs parce que comme j'étais une fille et que j'avais les cheveux longs et que je correspondais d'une certaine façon à un stéréotype de fille, du coup, j'étais forcément incompétente dans ce domaine-là. Est-ce que ça a continué ensuite dans votre travail ? Alors oui, au départ, parce que je me suis mise à mon compte directement après mes études. Donc en tant que, entre guillemets, jeune entrepreneur, j'étais stigmatisée, jeune nana qui se met à son compte, donc pas crédible. Et j'ai notamment suivi une formation à la création d'entreprise où on m'a conseillé soit de porter des lunettes pour faire plus âgé, soit de me couper les cheveux, soit de m'associer avec un garçon pour être plus crédible, parce qu'en étant associée avec un homme, forcément, ce serait plus simple pour moi. Souvent, quand j'arrivais en réunion ou à des entretiens, on me prenait systématiquement soit pour la secrétaire, soit pour la stagiaire, soit pour l'assistante. Ça arrivait que j'arrive en réunion d'experts et qu'on me tende des manteaux ou qu'on me demande d'aller chercher des cafés. Quelles sont les pires choses qu'on vous ait dites ? Alors, le pire, je crois, c'est pendant une réunion d'experts. On m'a appris à partir en voulant m'expliquer quelque chose et en me disant « c'est comme vous, quand vous faites une mayonnaise, vous faites comme ci, comme ça ». Alors que bon, moi, personnellement, j'ai jamais fait de mayonnaise de ma vie. J'ai plutôt eu le sentiment que... Enfin, je l'ai vécu de façon positive parce que ça a plutôt renforcé et ma détermination et mon sens de la propos et de la répartie. Et ça m'a plutôt donné des outils et des ressources pour la suite. Vous me parliez tout à l'heure de propos machistes entendus dans un magasin d'outillage. Alors justement, on va aller dans un magasin de bricolage pour faire l'expérience. Deux hommes, deux complices, vont tenir des propos misogynes envers la vendeuse, qui est également une complice. Ils vont lui dire qu'elle n'est pas compétente pour le job. Et une quatrième complice interviendra pour faire réagir les clients autour. On va placer nos caméras cachées un peu partout pour ne rien rater de la scène. C'est parti. Donc dans ce dispositif, on est dans un magasin que je qualifierais de très masculin, magasin de bricolage. Ce qu'on va faire là, William et moi, on va jouer deux clients, d'accord ? Tu vas venir, toi, Cornélie, dans le rôle de la vendeuse, me demander si j'ai besoin d'aide. Mmh. Et là, tout de suite, non. Une femme ne me conseille pas dans un magasin de bricolage. T'as rien à faire là, en clair. Puis petit à petit, quand tu vas un peu t'indigner gentiment, parce que t'es en même temps vendeuse, donc il y a le client, le rapport au client. Et puis moi, éventuellement, je t'appellerai, comme ça, disant « Ah, attends, il m'envoie une nana pour trouver de la cheville et du forêt de 22. Attends, sur du béton armé, laisse tomber, j'ai pas envie que mon mur y tombe. On n'est pas dans un salon de coiffure, là. Si je viens de me faire des mèches, je vous appelle, mais sinon... Tu vois, petit à petit, on va pas non plus tomber dans la caricature du gros con, mais voilà, bon, ok loin, hein. Bon, c'est parti. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide ? Ouais, mais là...
Non, il n'y a pas quelqu'un de... Pas quelqu'un de compétent, hein. Un de vos collègues. Je suis pas un de dites-moi, je peux vous conseiller. Ouais, ouais, d'accord, mais prenez pas mal, et je préférerais voir un mec, quoi. Un garçon? Est-ce que vous voulez pas me demander, parce que je suis une... Je sais pas, voyez avec monsieur s'il veut bien se faire conseiller par une femme. Mais, non, mais je sais pas. J'aimerais bien vous conseiller. En fait, je travaille ici, et je suis diplômée, je peux quand même... Attendez, laissez tomber, servez monsieur qui est d'accord, et puis lui, il va se débrouiller tout seul, et puis voilà, quoi. Je sais pas. Moi, ça me dérange pas, non. Moi, ça me dérange pas. Au niveau d'amitié, ça vous dérange pas que je vous conseille? Pas du tout. C'est incroyable, mais vous savez, c'est tous les jours comme ça, donc... C'est pas grave, parce que moi non plus, je connais rien. Et vous verrez s'il y a un de vos collègues qui est libre, un mec. Je suis désolé, mais... c'est une blague. Prenez pas mal, hein, mais... Honnêtement, la parité, je veux bien, mais une nana dans un magasin de bricolage... Je suis désolé, je suis un mec, je connais que dans le bricolage. Ouais. Mais c'est pas grave, tu vois, à un moment donné... Il y a des mecs qui bricolent très bien, et des mecs qui bricolent très mal. À un moment donné, il faut juste arrêter. Non, mais vous occupez pas de lui, c'est pas grave, il y a d'autres. Monsieur, ça vous dérange pas d'être servi par une dame? Je l'emmène, je la garde. Ah, carrément. Je sais pas ce qu'il y a de mieux. Non, c'est juste, je crois bien, et au moins essayer. Si elle se plante, je suis d'accord, mais si elle se plante pas... Faut essayer au moins, un minimum. D'accord, bah on va servir de test. On va voir un petit peu, tenter le truc, mais bon. Vous demander. On sert de test. Oui, bien sûr. Essayez. Ben voilà. Mais j'ai du mal à faire confiance. Je suis pas le monsieur. Il est d'une génération. Vous êtes grave. Si elle peut pas répondre. Vous êtes grave. Je vais vous dire quelque chose gentiment. Moi, je suis d'une génération. Je suis pilote de ligne. Ah bah, un jour, il y aura des femmes pilotes de ligne. Un jour, on a pris une nana et est devenue pilote. Et aujourd'hui, elles sont meilleures que nous. Vous me dites la vérité, là? Je vous jure. Vous prenez souvent l'avion? Ouais, c'est vrai. Et bien, aujourd'hui... Je suis jamais tombé sur une nana. Mais si. Vous les voyez pas, les... Vous les voyez pas, sur l'avant. Ouais, c'est les nanas. Celles qui font ça, là, les hôtesses. Mais non, on parle des capitaines. Arrêtez, capitaine. Oh, vous allez mourir bête. Vous allez mourir bête, désolé. Juste arrêtez vos conneries. Et c'est pas normal, à un moment donné, si une personne travaille là, elle doit être compétente. Après, même si elle ne l'est pas, elle apprend comme tout le monde. On a tous commencé comme ça. Et vous pensez qu'une femme peut être compétente dans un magasin de bricolage? Bien sûr. De nos jours, en plus. Hein. Moi, je ne suis pas aussi compétent que ça partout. Mais je sais faire la cuisine. Vous êtes pilote d'avion. Oui, pilote. Et je vous confirme que les filles pilotent largement aussi bien que les hommes. En mécanique, il y en a aussi qui sont tout à fait compétentes. En bricolage aussi. Le machisme, il existe, mais il ne faut pas le prendre au premier degré. Il faut le prendre au deuxième degré, c'est-à-dire il y a toujours des petites blagues, mais personne n'en souffre. Et les femmes pilotes aujourd'hui sont tout à fait heureuses de vivre au milieu des hommes et vice-versa. C'était vraiment lourd. Donc j'espère que dans la réalité, ça n'arrive pas. Mais malheureusement, si ça arrive, je vous assure. Mais je vais être trivial, mais je vais vous dire, il y a des cons partout. Voilà, c'est tout. Mais pour moi, ça s'arrête là. Allez. Monsieur, vous avez besoin d'aide? Bonjour. Ouais, j'ai besoin d'aide, mais vous n'auriez pas un de vos collègues de dispo? Enfin, mais quelqu'un de compétent. Comment ça? Bah, je sais pas, un de vos collègues, un mec. J'ai besoin de... Si vous avez besoin d'aide. Vous voulez pas voir avec moi? Si, on va s'entendre. Non, mais... Si j'ai été en bouche... Je suis désolé, le prenez pas mal. On va me dire, je suis renseigner. Ouais, je suis pas une femme dans un magasin de bricolage. Bah, lié, donc il travaille. Bien sûr. Quoi? Ok. Je dis une nana dans un magasin de bricolage. Pardon? Moi, je suis décorateur, j'ai des assistantes femmes, ils sont excellents. Ouais, dans la déco, mais la déco, oui, c'est certainement le bonjour. Je t'amène, tu vas voir. Je peux vous conseiller. Non, mais évidemment, il n'y a pas des mêmes forces, mais c'est pas pour ça que... C'est pas une question de force, c'est pas une question de force. On cherche des choses bien spécifiques. Dans le bricolage. Oui, mais après, il y a des choses. Vous voulez pas que je vous conseille, alors, parce que je suis une femme. Non, mais... Les grands mots, tout de suite. Non, mais on peut plus. Enfin, oui. Mais si on peut. À un moment donné, si je veux faire un gâteau, je vous appelle. C'est délicat quand même. Elle travaille dans ce magasin et vous vous dites, je veux parler à vous. Délicat. Vous savez, maintenant, avec les chiennes de garde, les machins, le truc, ça y est, dès qu'on dit un truc sur les femmes.
Mais quand tu n'as pas dessus. Après, on va faire la queue. Je sais pas, moi, ma femme, voilà, elle s'occupe des mondes, la cuisine, voilà, c'est, ça va, quoi. Elle est à sa place, vous avez raison. Les nanas, dans vos entreprises, elles assurent. J'en ai 15. 15 ? J'ai 15 employés. Ah, et sur les 15, j'en ai 7 femmes, 8 hommes. Et mes 7 femmes, c'est vraiment, ils bossent. Mais c'était quoi ? C'était une question de parité que vous avez fait ou vraiment c'est un choix ? Ah non, mais c'est juste en termes de... Bah, ils sont extrêmement durs, doués. Ouais. Ils sortent de Beaux-Arts, ils travaillent, mais voilà. Alors, décoration. Je peux pas... Ça, je peux pas comprendre. Moi, je suis allemand, ça va m'énerver, hein, parce que là, ce que j'entends vos discours, là, je peux pas comprendre. Mais c'est votre choix. Ouais. Vous faites ce que vous voulez. Non. C'est pas sympa vis-à-vis à elle. Je trouve pas Fin de situation, c'est une caméra cachée. Arrêtez. En fait, c'est une comédienne. Tant mieux. Non, je suis pas comme ça. Génial. Je sais, j'espère bien. Je me suis dit, ça existe encore des hommes qui peuvent parler comme ça. Vous n'êtes pas confronté à ce genre de propos ? Si, mais disons que en général, c'est plus, comment dire, ça louvoie plus que ça. Plus insidieux. Voilà. Oui, ma femme, elle s'occupe des enfants, elle fait la cuisine. Bon, donc elle est à sa place. Elle n'en a pas d'autre et c'est très bien et chacun doit trouver sa place et de toute façon elle est déterminée la place. C'est surtout ça qui est gênant. Vous avez réagi de façon hyper virulente. Ah non mais je serais allé plus loin là. Jusqu'où ? Ah bah je l'aurais pris en fait. Ça il m'énervait tellement, je peux pas supporter ça. C'est pour moi c'est pas possible quand je vois des gens comme ça, c'est incroyable, je peux pas. Avec mon pauvre français je dirais c'est des débiles. Un homme quand je vois ça, après effectivement je pense ça existe. Non mais t'en es tellement, je dis c'est pas possible, quelqu'un à Paris qui à ce point là fermé, je me suis dit sa pauvre femme, mais comment elle peut vivre avec un mec pareil, mais attends, je pars, c'est pas possible. Amélie, vous, quand vous avez été victime de misogynie, est-ce que vous vous êtes sentie soutenue, défendue ? Quelles ont été les réactions autour quand c'est arrivé ? J'ai pas tellement souvenir d'avoir reçu du soutien, mais comme c'était principalement dans un cadre professionnel, il y a aussi une posture qu'on joue dans ce cadre-là, où on veut se faire bien voir de sa hiérarchie, de ses collègues, etc. Donc, c'est des situations où je le respecte pas, mais je peux comprendre qu'on hésite à prendre parti. Est-ce que vous, ce genre de remarques misogynes, est-ce que ça a pu vous freiner dans votre travail ? Alors, au contraire, ça a plutôt été un moteur. Mais par contre, ce pourquoi je trouve que c'est important de témoigner sur ce sujet-là, je pense que dans certains cas, ce type de remarques misogynes dans le secteur professionnel peut entraver le fait de se lancer à son compte en tant qu'entrepreneur quand on est jeune et a fortiori quand on est une femme. Amélie, on continue l'expérience toujours dans ce magasin. Bonjour monsieur, vous avez besoin d'aide ? Vous n'auriez pas quelqu'un... Il n'y a pas un de vos collègues de dispo, enfin, quelqu'un de compétent ? Moi je suis 10 monsieur, il préfère une dame. Bah pas vous madame, on est dans un magasin de bricolage moi, quand même. Non, parce que comme je suis une femme, ça ne gêne pas. Regardez, on va voir, on fait un test. Regardez, si madame peut ramener, mademoiselle peut ramener ce que votre époux a demandé. Là d'accord, on fait confiance. Non, j'irai pas jusque là, mais... C'est incroyable. Oui, c'est assez souvent, ouais. Malheureusement, dans ce milieu-là, on en voit souvent, ouais. Je pensais que c'était simplement réservé au garage. Que, bon, une femme qui manipule les voitures, qui répare les voitures, pouvait trouver... Ah oui, non, mais là, c'est comme ça à peu près tous les jours, donc c'est vrai que je préfère conseiller des clients comme vous plutôt que... Voilà, je vous en prie. Vous trouvez votre bonheur, c'est bon ? Vous l'avez renseigné ? Oui, c'est bon, madame est renseignée. D'accord. Vous voulez toujours pas que je vous renseigne Non, mais je vais attendre un de vos collègues. Moi, j'attends rien. Mes collègues sont pas disponibles. En revanche, je suis disponible. Demandez à monsieur s'il veut se faire renseigner par une femme. Moi, j'ai un peu de mal. Non. Allez-y, monsieur, si vous voulez. Les femmes sont plus compétentes que les hommes, vous savez, ça. Dans un magasin de bricolage, oui, j'en ai vu. Ah ouais ? Ou dites-moi où ? Allez-y, dites-moi où. Bonjour. Je trouve que les gens qui n'ont pas voulu être servis par cette jeune femme, c'est lamentable. Ouais, je vous trouve bien cool. Hein. Franchement, je vous trouve bien cool. Hein. Je crois que le monde, il se barre un peu. Hein. Ah bon ? Ouais, bon. Vous êtes dans le bâtiment ? Non, je suis pas misogyne. Vous êtes bricoleur ? C'est difficile d'être bricoleur et pas misogyne. Il y a des femmes qui font de la mécanique aussi. Ouais, voilà, moi j'aurais du mal à confier ma voiture à une femme. Je vous assure qu'il y en a même dans l'aviation. Ouais, vous êtes dans l'aviation ?
J'ai été en aviation, dans l'automobile, j'ai vu des femmes très capables dans l'informatique. Ça s'appelle de l'exception. Moi, j'ai été très stupéfaite par les propos tenus par ces messieurs, parce que c'était insultant pour la jeune femme. Alors que quand on est vendeuse dans un magasin comme ça, on connaît son inventaire, on peut très bien servir un client, qu'il soit homme ou femme, quoi. J'étais médecin, donc c'est vrai qu'il y a des messieurs qui préféraient voir un médecin homme, mais jamais ouvertement comme ça, quoi. Et qu'est-ce que vous répondiez quand on vous demandait un médecin homme et pas vous ? Rien. C'est son droit. Du moment que c'est pas injurieux, c'est le droit de chacun. Mais là, c'est injurieux. Ce qui me frappe, c'est de dire qu'une femme n'est pas capable de faire le métier d'un homme, ce qui est totalement faux. Il y a même des femmes beaucoup plus compétentes que des hommes dans certains domaines. Et moi, j'ai vu des femmes dans la mécanique, dans l'aviation, dans tous les corps de métier, dans l'informatique. Femmes chauffeurs poids lourds, elles peuvent assurer tous les métiers. Voilà. Même avec plus de sérieux, souvent, que les hommes. Voilà, je vais me faire des ennemis. Christian, vous êtes responsable de ce magasin. Vous avez accepté que notre équipe vienne tourner ses expériences aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà été témoin de misogynie ? Alors, j'ai été témoin sur le fait qu'on avait embauché une jeune fille de 20 ans, où on a eu quelques clients qui n'étaient pas très contents d'être servis par une jeune femme. Donc, comme l'expérience ? Comme l'expérience que vous avez faite aujourd'hui. Mais aussi, on a eu plus de bonnes surprises de gens qui étaient étonnés et qui donnaient aussi leurs conseils à cette jeune fille qui travaillait avec nous. Est-ce que vous pensez qu'elle a pu en souffrir ? Oui, je pense qu'elle en a souffert puisqu'elle nous a quittés. Pour cette raison ? Elle ne nous l'a pas dit franchement, mais je pense que ça a été aussi pour cette raison. Est-ce que vous pensez que la misogynie peut dégoûter des femmes de faire certains métiers ? Oui, je le pense. Je le pense parce qu'on est quand même ici dans un métier quand même très mécanique au niveau de ce service, où il y a beaucoup d'hommes qui pensent que les femmes n'ont pas la technicité que peut avoir un homme, pendant que la technicité, c'est uniquement d'avoir de la matière grise entre les deux oreilles. Il n'y a pas besoin d'avoir soulevé des tonnes et des tonnes de fonte et être costaud. Donc oui, je pense que l'homme n'est pas encore tout à fait ouvert à ce que les femmes rentrent dans le métier du gros bricolage et de l'industrie. Bonjour monsieur, vous avez de l'aide ? Ouais, je veux bien de l'aide, mais il n'y aurait pas un de vos collègues disponible ? Quelqu'un de compétent, quoi. Pardon ? Le premier pas mal, une femme dans un magasin de bricolage. Voilà. Non, vous détrompez-vous, moi je suis sculpteur, je me démerde tout seul, et très bien. Ouais, vous êtes sculpteur, voilà. Bah oui, c'est ce que je veux dire. Et madame n'est pas spécialiste en vernis à ongles. Ça fait deux ans que je travaille là. Je vais demander quand même. Ouais, enfin, je sais pas, vous vous occupez de madame, mais bah, vous, ça vous... Non ? Vous préférez pas ça un mec ? Ça vous dérange pas que... Non, non j'ai l'air de... Alors, parce que, ouais, mais parce que vous êtes une femme, c'est le problème, quoi. Non, mais nous, c'est bon, ça ira, ça ira. Mais, enfin, le prenez pas mal, si non, j'ai besoin de faire un gâteau, oui, d'accord. Enfin, non, mais vous voyez, mais voyez ce que je veux dire. Non, je serai pas là. À un moment donné, la parité, ok, je veux bien, mais à un moment donné, chacun a sa place. Mais si mon patron m'a employée ici, c'est que je suis compétente, monsieur. Ouais, ou vous êtes jolie, vous voyez ce que je veux dire. Bon, allez, mais non. Perdons pas de temps, venez avec moi. Non, non, bah, si, pour l'instant, si. Moi, il me faudrait en fait des petits inserts. Les plus petits que vous ayez pour moi. C'est bien pour des uns. Qu'est-ce qu'il y a ? Elle a l'air perdue, là. Là, elle a l'air perdue. Deux fois, à mon avis. Je l'ai filmé. Comme quoi, c'est possible. Madame, c'est bien ça que vous cherchez ? Exactement, c'est parfait. En un peu plus petit, si vous avez le plus petit que vous ayez. D'accord. Ah. Et pas du premier coup. Une dizaine. Oui, mais c'est quand même ça. Vous n'avez pas donné la dimension ? Vous êtes gentil. Ah ouais. Bah oui. Ah, la solidarité féminine. C'est pas possible, franchement. Ouais, ne perdons pas de temps avec ces gens-là. Mais ça ne sert à rien. Plus. Mais non, ça ne vaut pas la peine de dépenser d'énergie pour ce genre d'individu. Oui. Je n'ai pas d'accord. Et puis, c'est surtout que je suis au travail et que je peux rien dire. Exactement. Donc, il faut passer du temps et se consacrer aux gens qui respectent. Par rapport à certains métiers manuels, souvent c'est une fille, elle va pas savoir faire, elle sera pas assez costaud. Oui, quand on vous regarde plus en tant qu'être humain, mais quand on est uniquement une femme ou un homme, ça m'énerve. Oui, quand c'est pas
juste un être humain qui a un caractère, qui a un tempérament, qui a des idées, et quand on vous regarde, parce que vous êtes une fille. Vous avez dit, ah, je ne savais pas que ça existait encore, ce genre de discours, parce que vous pensez que ça a existé, mais que ça n'existe plus vraiment. Oui, pour moi, ce genre d'attitude, à ce point, c'est vraiment fort. Genre, moi, je n'ai jamais rencontré de gens aussi imbuvables et aussi... Mais bon, je suis très naïve, sans doute. Amélie, qu'est-ce que vous retenez de cette journée d'expérience ? Assez agréablement surprise des réactions des personnes. Donc évidemment, des femmes qui ont de l'empathie, peut-être parce qu'elles se projettent. Mais du côté des hommes, le fait qu'il y a un grand soutien aussi finalement et qu'ils condamnent majoritairement les propos misogynes. Après, il y a aussi des choses dans la façon de le justifier. Il y a des choses qui montrent qu'il y a quand même une petite misogynie sous-jacente et inconsciente. Faut l'aider, en gros, la pauvre petite. Alors, même si c'est bienveillant, ça en reste pas moins un propos qui est quand même condescendant, parce qu'on va considérer qu'une femme, elle a plus besoin d'aide qu'un homme. Qu'elle est plus fragile, qu'il faut la protéger. Voilà, qu'il faut la protéger. En tout cas, qu'il faut l'aider deux fois plus qu'un homme pour qu'elle réussisse. Mmh. Merci Amélie. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Si les comportements misogynes n'ont certainement pas disparu, on peut constater qu'aujourd'hui, personne n'est resté indifférent aux propos outranciers tenus par nos complices. Et vous, que pensez-vous de cette situation ? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux, hashtag CamClash.